Pour cette édition 2019, nous avons essayé de faire comme chaque année, mais en l'affirmant chaque année davantage. C'est une programmation qui puisse s'adresser à des publics différents et le plus variés possible. Donc, la variété, elle tient dans les genres d'abord. Nous invitons des romanciers et des romancières, évidemment. Il y a beaucoup de femmes, je le précise. Les femmes sont une voix importante de la littérature, bien entendu. Donc, beaucoup de genres différents, du roman, je disais, du polar, de l'essai, de la biographie, de la BD. Des auteurs confirmés, très connus pour certains. Je pense à Laura Adler, je pense à Jean-Paul Kaufmann, je pense à Lady Salver, à Maïlys de Kerangal, qui est quand même un événement parce qu'elle est très demandée partout et nous sommes très heureux de pouvoir l'accueillir. Et aussi des auteurs nouveaux parfois, donc c'est le premier livre, la première publication, et qu'on est heureux d'accueillir parce que moi je tiens vraiment à ce mélange-là, dans le fait de recevoir des auteurs qui ont besoin de mettre un pied sur scène et de pouvoir présenter leur travail. Voilà. C'est l'occasion en fait de partager le livre, de montrer que la lecture peut être un échange, qu'elle peut réunir en fait ensemble les publics, que c'est pas seulement une activité qu'on pratique seule, de manière individuelle ou intime. Et surtout pour les enfants, parce qu'en fait la lecture pour les enfants, c'est un moment de complicité avec un adulte et c'est quelque chose qui se partage et qui se vit au quotidien. C'est surtout la forme des ateliers en fait, qui est privilégiée parce qu'elle permet un temps de connivence avec un artiste, un auteur ou un illustrateur. Donc on organise un atelier d'écriture fantasy pour les adolescents, un atelier création d'un abécédaire, des ateliers à partager avec son enfant, donc atelier parent-enfant autour de la création de ribambelles, ou des ateliers booktube pour les jeunes où en fait ils se transforment en critiques littéraires le temps d'une courte vidéo qui sera postée ensuite sur une chaîne YouTube. Du spectacle vivant, des expositions. Pour le spectacle vivant, 3 spectacles avec le groupe Anamorphose, Laurent Rogereau qui viendra présenter à la bibliothèque Mythologie, le destin de Persée, un spectacle gratuit à la bibliothèque. Et puis à la salle de spectacle L'Atrium, 2 spectacles, Groenland Manhattan qui est un BD concert le samedi soir, et la Maison aux arbres étourdis le dimanche après-midi, toujours à l'Atrium, avec la compagnie Le Liquide en Bar. Exposition avec Cavador à l'Atrium Culture, et aussi une exposition urbaine ici autour du Splendide à la Palmeraie, avec aussi un roman graphique. On a l'impression que tout est là, depuis toujours, enfin ou presque, et pour toujours. Or, la culture en général, la littérature en particulier, mais toute autre forme de culture, c'est quelque chose qui doit être remis sur le métier en permanence. C'est sans employer des grands mots, mais c'est un combat. C'est un combat parce que, on le voit, les idées doivent être défendues, les idées, les valeurs, enfin, qui nous sont chères en tout cas, d'autres en ont peut-être d'autres. Mais tout doit être encouragé, défendu, soutenu, et c'est une des ambitions aussi de cette manifestation, bien sûr, comme d'autres, dès lors qu'on parle de culture.